Incline vers moi ton oreille, Seigneur, exauce-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est ce que vous viviez dans la sainteté en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort, car de tout cela le Seigneur fait justice, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia.
éveiller et prier en tout temps, ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu, louons à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. À jamais. La page de l'Évangile que nous avons écoutée nous invite à la vigilance. La communauté de Matthieu, à laquelle l'évangéliste s'adresse, est traversée par une réalité toute particulière. Nous sommes dans la partie du discours de Matthieu, appelé le discours eschatologique, qui est la cinquième partie de ce livre, de cet évangile. Alors, Matthieu s'adresse à sa communauté parce que elle traverse ceci, comme je le disais, de particulier. Cette communauté a constaté que Jésus tarde à venir. Celui qui avait été annoncé tarde à venir. Le retard de la parousie ou de l'arrivée du Seigneur dans sa gloire pour juger les vivants et les morts fait en sorte que certains dans la communauté n'y croient plus. Ils se disent que Jésus tarde à venir et donc il n'y aura pas de fin. Alors, beaucoup tombent dans la pratique des mauvaises œuvres. Ils ne sont plus constants dans la pratique des bonnes actions. Et c'est ce que Matthieu traduit ici par cette lampe qui est allumée, cette bougie qui est allumée, cette lampe qu'il faut garder toujours allumée et qui est alimentée par de l'huile, l'huile d'olive, comme pour dire que il faut toujours rester constant dans la pratique du bien parce que Dieu peut arriver à n'importe quel moment. Ceux qui pensent que Dieu ne frappera pas à leur porte ou encore qui se disent que Jésus tarde à venir et qu'il ne viendra plus doivent se détromper parce que le Seigneur viendra comme un voleur au moment où on s'y attend le moins. C'est pourquoi il faut toujours cultiver les bonnes actions et c'est ce qu'on appelle la vigilance. Donc le Seigneur nous invite aujourd'hui à rester constant dans la pratique du bien car il peut frapper à notre porte à tout moment par la mort qui est pour nous
le moment de rendre compte à Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Au cours de cette célébration eucharistique, nous prions une intention particulière pour la paix dans notre pays, le Gabon. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Jean Mungo Mongoa. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie. Qu'il soit ton sang, Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges et dans la joie. Nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait libre pendant sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant,
prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il est l'agneau et le pasteur. Il est le roi, le serviteur. Il est l'agneau et le pasteur. Il est le roi, le serviteur. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, qu'elle a grandi dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi du pape émérite Benoît XVI, Joseph Ratzinger, ton serviteur.